Oui, chers amis du Club des Hommes en Noir, c'est une émission un peu exceptionnelle que nous vous proposons cette semaine, puisque nous avons eu comme invité Mgr Schneider, évêque auxiliaire qui vient du Kazakhstan et qui vient de publier en langue française un ouvrage, un catéchisme qui s'intitule Credo, compendium de la foi catholique. Et pendant à peu près une heure, il s'est entretenu avec les membres du Club des Hommes en Noir. Et donc c'est un moment exceptionnel que nous vous proposons, que nous vous invitons à découvrir, à regarder et bien sûr par la suite à vous procurer son ouvrage. Je voudrais profiter aussi de ce petit moment avec vous pour remercier notamment Timothée qui au pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté à Chartres m'a obligeamment prêté une parka de quoi m'abriter de la pluie quand elle tombait avec abondance. Et Timothée s'est déclaré un soutien fervent du Club des Hommes en Noir qu'il suit avec attention. C'est pour ça que je le salue très particulièrement. Mais je salue aussi tous les Timothées de la Terre qui s'intéressent au Club des Aimants Noirs. Et Timothée m'a dit il serait bien d'être plus précis dans la manière de vous soutenir. Et bien voilà, je vais essayer de répondre à cette demande de ce cher Timothée, notre ami Timothée. Pour nous soutenir, le mieux c'est de cliquer sur le bouton rejoindre de la chaîne du Club des Hommes en Noir, à la chaîne de l'Homme Nouveau plus exactement. Vous avez deux offres, une offre rejoindre et une offre je soutiens le Club des Hommes en Noir. Et ainsi, tous les mois, vous pouvez, par ce biais-là, nous soutenir financièrement pour que le Club des Hommes en Noir soit à nouveau présent à la rentrée prochaine. Et puis, vous bénéficierez d'une qualité d'image et de son meilleure que celle que vous pouvez trouver par ailleurs. Voilà, avec l'intégralité, évidemment, et quelques offres subséquente, l'intégralité des émissions du Club des Hommes en Noir. Je vous souhaite un bon visionnage de cette émission avec Mgr Schneider qui s'est prêté à cet exercice alors que la langue française n'est pas sa langue maternelle. Il faut parfois peut-être un peu tendre l'oreille, mais vous verrez que la force de ses propos le mérite. Que Dieu vous garde.